Pour sa voix douce, sans ton moi. Pour sa voix frais. Ça te va toi? J'entre dans l'appartement. Je le sais, j'en sens. Je vais être bien ici. Le soleil chaud avec les plantes vertes. Excuse-moi, là je viens de me relire et je m'aperçois que j'ai parlé de mon frère comme s'il était vivant. Le passé est raconté au présent et le présent au passé, on ne va pas s'y retrouver, ça t'embête si on recommence. Non, parce que je dois l'annoncer clairement, dès le début, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Mika est mort l'hiver dernier, il avait 28 ans. Mika, mon frère, celui qui m'appelait petite sœur en plissant les yeux alors que j'étais sa grande sœur, mais qu'importe aujourd'hui. Il est mort en tombant comme un tableau qui se décroche. La ficelle a lâché. Reste la marque blanche sur le mur, celle qui n'a pas pris la lumière. Il y a aussi quand même une autre chose à ajouter, enfin, qui s'est fait un peu malgré nous ou à force de jouer, c'est que l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de la disparition d'un frère, de la mort d'un personnage, et donc la sœur se retrouve toute seule à raconter cette histoire. Et en fait, par ce spectacle, c'est comme si ce personnage trouvait une sœur jumelle, c'est-à-dire elle a perdu un frère et elle a retrouvé une sœur, et on joue un peu sur cette relation comme ça, un peu gémellaire entre nous deux, moi racontant, elle racontant avec la musique, on est habillés un petit peu pareil, donc cette espèce de lien qui se tisse et qui vient réconforter d'une certaine façon, parce que c'est quand même l'histoire d'un deuil, et là tout d'un coup on a la construction d'une relation au présent sur la scène.